Alright, à l'autre côté, ça qui passe, c'est un plaisir pour me lancer ensemble avec nous en soirée. Et même je vais essayer de faire chaque lundi. Et grâce à Dieu, en soirée, encore une fois, l'impossible pour nous capables. Et dans la soirée, nous allons prendre du temps pour nous parler. Et comme je vais dire, ici, en espagnol, on dit à caleçon qui talent. À caleçon qui talent, c'est-à-dire qu'on va parler sans baguette, sans baguette caleçon sous. C'est-à-dire qu'on va parler, très honnête, ok? Ouvert et direct, ok, dans sa nappe dire, ok, parce que son bac, c'est une particularité là, quand moi, il m'a parlé, moi, je vais assurer que mon gars parlait très honnête ensemble avec tout le monde. Et comme directeur dans sa nappe dire, pour maximum, nan, nous-mêmes capables de bénéficier, et que c'est pas moi-même en tant que personne qui bénéficie. Et n'a fait me connaître si notre capable d'entendre moins bien si nous recevons très bien côté nouillé et puis c'est côté dépendamment de qui côté ouillé de côté d'entendre tout capable de faire me connaître qui côté nouillé qui côté d'entendre nous là ok c'est move quelque part là pour capable bien adapter moins ça veut dire capable bien moi devant là pour moi capable de parler avec nous à soi parce que c'est vraiment important pour nous capable de toucher point ça yo pour make sure que nous tout comprendre et bien sûr position moins OK par rapport avec et sous certains points et nous pensons que nous capable pour là nous avons une idée à partir de thèmes que nous présenter en la plus live à soir et thème c'est bien sûr et pour qui ça principe en pile monde pas comprendre ou bien yo mal et appréhender sous domaine dropshipping. OK et depuis lorsque moi-même moi lancé cours dropshipping là et moi recevoir un paquet d'appels surtout depuis lorsque Johnson fin partager vidéo sur page Pali. OK moi recevoir un paquet de messages un paquet d'appels des choses qu'on parle avec un paquet de monde extraordinaire et moi remarqué grand pile point commun c'est que tout le monde voulait réussir tout le monde voulait arriver à atteindre certains résultats yo croit que les possibles pour capable réussir et avec un business et que son business on business online éventuellement et en pile là-dedans toujours ouais dropshipping comme t'as dit pas un parcours obligé mais d'une certaine façon c'est comme si on a l'impression que industrie hein, tellement de monde qui présente le dropshipping comme si t'as dit un one size fits all comme si c'est ça qui répond à toute bagaille et en pile monde fait mes mauvaises conceptions que j'ai l'impression que un pile monde gagne c'est que pas une autre voie en dehors de dropshipping là ça me le dit à soi là capable d'être un petit genre et contre-productif, je dis en anglais counter-intuitive, parce que on pas quand on est capable de vendre un coup et puis en même temps ça m'a dit là me dit que dropshipping pas une solution à toute bagaille ou bien dropshipping c'est pas comme si un business model que c'est anyone n'importe monde qui a fait ou bien c'est gens ou bien gens pile monde dire c'est un de papa plus facile etc etc et personnellement nous avons entendu ça de la part moi-même ok et je pense que nous allons expliquer nos raisons moins très clairement à souhait en sorte que nous capables vraiment comprendre ok si même c'est route ça ou choisi pour faire business online ou choisi pour faire dropshipping pas oublier encore que même maintenant moi, j'ai activité ça depuis 2009, d'accord? Depuis 2009 à nos jours, et je suis capable de dire que nous apprenons un paquet de bagages et nous continuons à apprendre. Et je suis capable de dire que le parcours là, il n'est pas aussi simple, il n'est pas aussi facile, même si en plus nous présenter. D'accord? Parce que dropshipping, quel que soit le genre, vous voulez aller là, il était en business, ok, à proprement parler. Et business, depuis du business, principalement, le premier mot qu'on voit, c'est le mot risque. Donc, okay, pour parler de business, premier mot qui supposé paraître, qui supposé clair pour vous, c'est que vous courez risque. Okay? Mais bien avant que nous entrions dans les détails, vous même pour capable parler, nous direct, pour capable parler ensemble avec nous là, direct, j'ai dit ici, dans la, en espagnol, a calzón quitado. Okay? Pour nous pas capable parler direct de cœur à cœur, pour nous capable parler ensemble avec nous. Quittez-moi pour un petit temps, pour capable saluer le monde qui monte sous live là, qui est ensemble avec nous. Moi, j'ai Reginald, Renal Alcimus, Joël Damour, et Wesker 25 Saint-Julien, Myrtille Daniel, n'est en forme, Julio Romulus, Yabouade, sans filtre, de bagan qu'il filtre n'a pas mette, nous gen Mouskardi qui Brésil, Wesker 25 Saint-Julien, depuis Dominican République, nous comptons où est où, Joril, c'est ça, sans filtre, ok, La passe présent, oh, patne pam, ou la passe, mais nous va venir, ou m'babo ici, là, faut fon venir, men, OK, ou gen kay ici, map tan nou Santa Cruz, brother. Pierre, PG, Money, brother, ba mon call, man, ba mon call. OK,
Faut nous font t'y parler sous la passman et faut nous mettre en contact. OK, Angelin Douceur, Saint-Domingue branché, OK, nous gagne mon Inch, Julio Romulus, Saint-Domingue encore branché à soi, Mr Chavan Odeid, son plaisir pour m'avoir pour gagne là. Woodmi Saint-Ilus qui est là ensemble avec nous, Mademoiselle Ayanis, son plaisir et puis nous gagne Laurent Vital qui branché tout. OK. OK, tant pis souple sous live là. OK, mettez présent pour top. OK, mettez présent pour. OK, et sous monter sur live là et partager live là et pour que maximum monde capable bénéficier de ça que moi je dis parce que je pense que il peut-être on eye opener son bail qui a ouvert yeux en pile monde. Warren ça passe border et on bien content voir soi Alain Del Rey Pierre mettez présent pour depuis Sarasota en forme border. Bien content voir vous. Bob le solo nous content voir vous border, nous content voir nous tout cap monter sur live là. OK, en nous ça nous pas tarder en pile, en nous entrer dans ni degree di bail. OK. Ritz Charles qui c'est dernier monde que n'a salué hein. N'a retourner après pour nous saluer plus monde toujours. OK. Mais en nous entrer dans ni degree di bail pour nous capable parler. OK, de cœur à cœur. OK. Moi joine en pile appel. OK, me parle avec en pile monde entre samedi soir jusqu'à jeudi à en pile monde. Et gon point commun, j'aime d'ab dit à l'introduction que moi ouais. OK. Et tout le monde veut nous tout veut faire succès et ça son bail extraordinaire. OK, tout le monde a volonté à apprendre, il a volonté pour réussir et sincèrement ça a vraiment touché par volonté nous pour nous apprendre, pour nous réussir et dans business. OK, pour nous capable faire un bagage, monde qui soit veut quitter 9 to 5 job, yo monde qui veut gon l'autre revenu additionnel pour capable des familles et des petites yo pour venir indépendant, pour venir boss tête pas yo. OK, moi comprendre tout bagage ça, d'accord, mais cependant et moi remarqué que et approche là par rapport avec Jean business fonctionner li vraiment soit li mal nous mettez li nous pas mettez dans bon framework là, d'accord. On a dit que au bon tableau là et puis si peinture en dans cadre côté tableau en y si peinture de Jean cochu même si gen pi bel cadre gen sous la terre et moun pa ka apprécier et tableau. OK, donc framework ça est vraiment important pour gagner, mais en même temps tout faut make sure que picture ou bien tableau hein, ou bien image là qui under framework là ou positionner l'en façon pour tout monde capable comprendre et well. OK, et si dans business en général, m'a juste seulement parler de dropshipping. OK, m'a seulement parler de e-commerce. OK, mais si dans business en général ou mettez barrel ou m'a mettez barrel dans bon perspective là ou pas prendre dans bon approche là, il est très probable que ou ka abandonner trois bonheur, d'accord. Et c'est youn nan bagay nan caractéristique que moi dans pile monde que me parler ensemble avec yo, gen monde qui bien commencé, gen monde qui dit OK, m'était mal évalué budget, yo t'es mal évalué risque que t'as prend. OK, et ça vient arriver que abandonner trois bonheur. OK, donc jodi an jodi an là et Marie-Aimée n'a tourné sur question là après. C'est OK, et jodi an là et on nous parler de bayo direct et puis pour capable aider nous et comprendre, d'accord. Et pre bay pour qu'on est, c'est que business, OK, Manus bien content voir dans Kyle Border. OK, et business c'est risque, d'accord. Qui ça qui business? Pre bay on pas dire c'est seulement c'est risque, d'accord. Business it's about people. OK, m'a répéter encore, business c'est à part c'est de monde, ça fait de l'autre dit pour dire vous voulez faire business, it's not about you. Ça ne met pas ça pas rien à voir avec vous même, c'est on va parler de l'autre monde, on va parler de vous même, on va parler de vous même qui gagne quoi, qui besoin faire quoi, qui besoin faire l'argent, etc. Non, vous supposez d'abord comprendre que business c'est it's about people. On va parler de dropshipping, on va parler de business en général. OK, et après ça on vient tourner, on vient rentrer dans dropshipping pour nous comprendre bail. Donc premier bail pour nous comprendre, c'est que business is about people. OK, quel que soit business que vous voulez faire, c'est qu'on est OK. Qui est ce monde business après le service? OK, et parce que on va pas vendre, on va pas l'acheter produit là. Ça c'est pour bah, pas pour l'acheter produit pour même vous servir avec. OK, c'est l'autre monde qui suppose acheter là mon. OK, et puis les monde acheté ou les satisfaits de service là, ou même vous fait sous ça, ou fait un markup, ou fait revenu pour là, d'accord. So business is about people. OK, donc et l'on comprend ça pour bah vous supposer et conceptualiser l'op fait et business on a dit ou prendre dropshipping, d'accord. Gen moun ki gen tendance business dropshipping nan, c'est chercher on ça yo dit entre guillemets, OK, quote and quote, yo dit c'est chercher un winning product. Ou pas connait si on produit son winning product ou ton pas testé, because
product, it's not about you, it's about other people. C'est l'autre monde qui va l'acheter produit. Hein. C'est pas vous-même qui va nécessairement acheter. D'accord? Donc, même si tu as dit que le produit en business, c'est ou tu as un produit qui est sous papier, en théorie, qui t'a pas été un winning product, c'est juste ton bac ou dit sans théorie que lié. Il n'y a pas qu'on bac capable de confirmer à 100% tout le temps qu'on pas testé le produit. Hein. OK? Et pour ça, il faut demander tout d'abord qui est ce monde que je vais servir et qui est ce qui ça monde ça a besoin, qui problème que vous avez. D'accord? Au conseil de questions pour faire tout par rapport avec moi, parce que c'est eux-mêmes qui vont prendre le produit en amont, c'est eux-mêmes qui vont acheter le produit en amont. Donc, vous supposez, make sure qu'on connaît qui est ce monde d'abord qu'on prend servi. OK? Et là, m'vin remarquer tout avec quelqu'un que me parler, c'est que yo mal comprendre partie ça, yo généralement mal comprendre. Que monde qui dit ah moi j'ai un website, OK, et m'te commence à faire advertising sous li, moi gen logo, moi gen ceci, moi gen cela. Et business ça pas rien à voir avec logo qu'on gagne ou bien si business sont enregistré ou whatever, OK? Ça pas rien à voir, quoi même si nous voulez, d'accord, avec son plus bel logo qui gen sous la terre, OK? À partir du moment qu'on pas comprendre que business is about people, OK, et comment on va servir moun sa yo. D'accord, c'est ça qui premier bail qui est important pour qu'on ait. D'accord, en sorte que l'on veut commencer notre business, OK, ou qu'a commencer avec n'importe quoi vous voulez, OK. Dropshipping c'est pas yom sans dado, c'est seule voie qui existait. Et là je pense qu'il faut me prendre le temps pour me définir, pour nous retourner sur définition mot e-commerce là. D'accord, et e-commerce c'est qui ça lié? E-commerce c'est n'importe activité ou fait online qui génère revenu, soit l'on supermarché et puis yo prend paiement sous carte de crédit ou son transaction électronique. Ça, c'est e-commerce lié tout. C'est commerce électronique. OK? Parce que, ou aller dans le market, ou aller dans le mall, ou payer avec 4 ou aller 4 là, ou payer, ou swipe 4 là pour, c'est e-commerce. OK? Ou parler avec un monde, ou un ami, dis-ou, ah, bon, moi, j'aime ça, j'aime là, et, est-ce qu'on va vendre moi, li? Pas un problème. Et, voyons zèle pour moi. Le mec, la monte sous raconte zèle, li voye transaction pour, c'est encore e-commerce. D'accord? Et maintenant, transaction ça, ou même, ou avec client, ou longe produit en Bali. On a dit que, par exemple, produit ça, c'est inventory qu'on gagne. Donc, inventory, on gagne in-house. OK? Parce que pour inventory en amont. Bon, on y a l'inventory en pas amont. Ou t'as dit, on s'en met, par exemple, on va venir en catalogue. On monte les amis en catalogue, on barre. On dit, oh, bon, bon, catalogue là, regardez ça, si vous voulez, vous allez faire connaît. M'a fait le vivre la caille. Les amis ont dit, yeah, m'a mettre le bagaille, mais m'a voué un zèle vous. Et on paye moi m'a payé pour faire produit pour moi produit sous par Québec inventory en la caillou c'est un warehouse ou bien un compagnie qu'on contacter qui voye produit directement bas client ou relé ça dropshipping. OK, donc ça me fait que nous comprendre c'est que lors du dropshipping là nous pas parler d'un business model, n'a pas parler d'un moyen pour faire un produit pour bailler un service à yon audience donnée. D'accord? Mais le bagage produit en la caille moi, même j'aime garder un produit en l'autre côté, c'est l'autre monde qui fait service dans un produit pour te l'aller pour moi en côté. D'accord? Donc dropshipping en fait en d'autres mots, c'est un simple fulfillment method. C'est une méthode pour faire produit sortir d'un point A pour arriver dans un point B sans qu'il pas nécessairement au passer dans mon ou te kaken ben inventory en la caille ou sous te vle, ou tu dois par exemple gain propre produit pour quand on met marque sous lui ou décider pas kaken ben inventory en la caille ou prendre un third party service tant que à ShipStation, on compagnie qui est le ShipStation. OK, ou dire bon guys, j'ai inventory pour moi et puis nèg yo ship produit pour chaque ou gain ou vendre. D'accord? Là encore ou faire e-commerce, moi, pour fulfillment méthode ou utiliser, hein, dire les dropshipping. OK? En sorte que, principe pour comprendre, non, c'est que c'est pas comprendre dropshipping en tant que tel, mais c'est comprendre qui ça qui fait e-commerce marché. D'accord? Donc, ça arrive de me connaître à retourner sur ça me dit avant que business is about people. OK? Moun pas acheter produit, y acheter résultat. D'accord? En sorte que, avant même moi chercher vendre un produit, faut me chercher connait qui est ce monde qui besoin. En sorte que dans formule là, qui est ce qui vient avant? C'est tant que bagaille l'œuf et la poule. Qui est ce qui vient avant? Est-ce que c'est œuf vient avant ou est-ce que c'est poule là qui vient avant? Non, m'pas connait dans tous les deux qui est ce qui vient avant. Moi j'étais croire que c'est poule là qui vient avant. Bon Dieu très intelligent, moi j'étais croire c'est poule là qui vient avant dans cas ça. Mais cependant, dans canap prend, dans l'autre e-commerce, est-ce que c'est client qui vient avant ou bien est-ce que c'est produit qui vient avant? Moi j'étais croire c'est client qui vient avant. Pour qui ça? Parce que c'est eux même qui va le baou l'argent le travail du pour lire. OK? Parce que tout le monde travaille du pour l'argent. Donc, c'est eux-mêmes qui peuvent longer l'argent, travaille du pour lire. Mais ils ne peuvent pas longer pour n'importe qui raison. Ils peuvent longer parce qu'ils attendent un résultat. D'accord? En sorte que premier travail ou en tant que entrepreneur, en tant que yon e-commerce entrepreneur. OK, ben c'est ça moi voulais pour nous yé. En tant que e-commerce entrepreneur, premier travail c'est qu'on est exactement qui est ce monde moi pour vendre produit.
OK? Ou on a décidé pour prendre différentes approches. Ou on a dit par exemple, OK, moi voulais rentrer dans business e-commerce là. Est-ce que moi dois commencer ou quand commencer avec un bail qui ont centre d'intérêt pour en particulier? En pile dans nous gain talent. En pile dans nous gonse de bagaille que nous qu'on fait plus bien que n'importe qui moun. Gon bay moi même toujours dit dans live, même l'impression que nous pas prêter assez attention ça avec lui. Il m'a répété la soir faute moi souhaiter que il fait sens pour asseoir. OK? Pi bon entreprise qui existe, c'est ou même. Pi bon produit qui existe, c'est ou même. OK, gon livre qui est You Inc, S Y O U I N C, I N C. OK, You Inc. Dans livre là monsieur expliquer pour qui ça ou supposé travailler sous tête ou en tant que brand. D'accord? Côté me voulait arriver avec ça. Me voulait arriver sur le point que si vous comprenez que c'est client qui vient parce que c'est le même qui va longer dollar le travail du boulet en bas ou parce que les gon résultat là chercher. En sorte que faut vraiment chercher comprendre client même j'allité tant que ouais même je compte pour ou compte pour même je compte plamer c'est exactement comme ça au supposé chercher comprendre client là comprendre exactement qui problème yo gain ça fait pas qu'à dormir dans nuit pour qui ça a besoin produit ça d'accord et dans qui ça produit ça va aller de qui résultat ou va joindre après produit là fin qui produit ça et éventuellement ou pas jamais connait qui l'autre problème produit ça qu'a créer pour yo que ou qu'a anticiper et éventuellement offrir aux solutions ou qu'est-ce offrir, penser à offrir aux solutions. En tant que entrepreneur e-commerce, en tant que e-commerce entrepreneur, faut qu'on capable penser avec toute bagaille ça. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde obligé de faire dropshipping? Pas du tout. Ça va vous dire ça, d'accord? Ça pas du tout vous dire que tout le monde obligé de dropshipping. Ou qu'à commencer dans e-commerce avec un bagaille que ou un produit que vous-même vous créez. Est-ce que ça veut dire que vous obligé de commencer avec un produit from scratch? Non, parce que e-commerce pas oublier ça lié encore, c'est n'importe bagaille qui permet que vous générer revenu en ligne. Si vous prenez connaissance ou vendre en ligne, ou participer dans e-commerce. À part comment ou vendre formation, ou vendre technique, ou vendre m'bakone coaching, ou vendre tête en d'autres mots. D'accord? Donc, ce n'est pas de bagaille que vous faites qui permet, e-commerce là, encore une fois, ce n'est pas de bagaille que vous faites qui permet que vous êtes capable de générer revenu online. Est-ce que ça veut dire que c'est seul dropshipping qui veut dire que c'est seule voie pour moun générer revenu online? Non. Parce que, banque là qui prend fait, non, l'on va aller faire transaction, l'on va aller dans le restaurant, l'on va manger, lui fait l'argent à partir de transactions électroniques, ça qu'on fait, l'on paye avec carte dans le restaurant, ou bien l'on va aller dans le mall, l'on va acheter ton bagaille, ou payer à travers une transaction électronique qui permet que l'argent passe de compte en banque directement à account et merchant ça ou bien mall ça qui quand tu as fait ou tu as acheté produit ou bien service ou tu as besoin d'accord donc que et nous devons que nous comprenions que concept et fait générer revenu online là les pas réduit à un seul bagage qui t'a comme si nous dit que nous les dropshipping qui ça one size fits all comme si nous dit c'est les mêmes qui tout bagaille retirer conceptualisation on d'avle que nous retirer concept ça dans tête nous connia pour que ça dropshipping li attire pour que ça et me pense que c'est à cause de message qui sorti très bonheur OK côté en pile mon a fait comprendre que li facile c'est un de trois pas padap OK ou les ads sur Facebook OK si me retourner en 2015 peut-être si me en 2015 on devait dire OK ça il était que plus ou moins vrai jodi en là en 2020 que n'a vivre là et pour année qui va venir OK moi te crois que ça est totalement faux d'accord pour qui ça parce que customer est de plus en plus intelligent OK plateforme que n'a utilisé de plus en plus intelligent et en même temps tout c'est pas seul ou même qui prend dans vague ça qui croit que c'est facile. C'est pas seul nous-mêmes qui croyons dans vague ça qui était quoi que oh it's easy, ou pas besoin de faire un paquet d'effort, ou pas besoin en pile corps pour entrer là-dedans, ou bien le monde qui dit qu'on juste pas besoin d'argent pour entrer là-dedans. Et jusqu'à présent, moi ma quelqu'un des gourous sur YouTube tant que par exemple Ecom King qui continue à push, OK, même agenda ça, OK, que vous capable faire dropshipping sans que vous pas générer ou pas utiliser l'argent. Me pas dit que l'impossible, OK, parce que en 2009, lorsque même moi t'ai commencé, moi t'ai tout trafic, moi c'était trafic organique, c'est SEO, c'est seulement ça me défait. Pour qui ça? Parce que me pas de gain quoi, pour me capable push trafic payant. D'accord? Donc on fait tout ça me connaît pour maîtriser comment trafic organique fonctionner, comment Google fonctionner, moi comprendre plateforme là, moi exactement qui ça Google gain besoin qui paramètres utiliser pour optimiser un website. À l'époque c'était backlink, on créer des gérer un paquet de backlink, on créer un paquet de blog post, OK, on créer blog network, on créer une série de web 2.0 network, OK, on utiliser un paquet d'outils qui pour automatiser process là parce que ça était fait manuellement, il prend trop de temps, OK? Ça c'était à l'époque, mais jodi là bagaille changer parce que marketing digital là en lui-même, c'est pas un bagage qui est statique, c'est un bagage qui est dynamique. D'accord? Et chaque jour, il a changé. Et c'est une raison qui fait que dans le cours, moi, je mettais
et formule mastermind chaque mois. Yon mastermind chaque mois. Pour qui ça? Parce que chaque coup, un nouveau bala qui vient, un nouveau bala qui change, moi, je voulais que nous prenions le soin pour nous apprendre ensemble, pour nous partager li avec les gens qui en dans formation. Ok, parce que marketing, ce n'est pas un bagage qui dynamique. Ok? Deuxième bagage que j'ai l'impression qu'un pile monde mal conceptualisé. Donc nous finissons parler de question e-commerce là. D'accord? Donc e-commerce là pour nous résumer, c'est pas il pas résumé à simplement dropshipping ou bien dropshipping c'est pas une solution un bagage qui a une réponse à tout. Encore une fois, il paraît très contradictoire. Il paraît très contradictoire ça m'a dit parce que moi-même moi une formation dropshipping que moi fait lancer. Mais encore une fois, il est important pour moi qu'on comprenne ce qu'on faire que moi-même moi juste essayer vendre une formation parce que idée c'est pas essayer pushou pour une formation et peut-être son qui pas même utile. C'est une raison que dans la formation dropshipping, je ne veux pas trop utiliser, au contraire, je veux utiliser et retirer le terme dropshipping nan, et les formations de préférence e-commerce IQ Academy. Ok? Pour qui ça me voulait le e-commerce? Parce que l'objectif de la formation, c'est qu'on est capable d'adapter, on est capable d'acquérir un set of skills, ou surtout avec un toolkit, une boîte à outils. Quand on dit tout, ok, moi comprends le concept ça, je dois apprendre à l'appliquer dans tel business, je dois appliquer dans tel business, je dois appliquer dans tel business. Même qu'on sait exactement ensemble avec nous. Ok? Dans la formation, je parlais de ça, les Google Search Campaign. Ok? L'eau, si vous voulez maîtriser Google Search Campaign ou pas qu'on maîtrise, vous payez une compagnie aux États-Unis n'importe 5 à 10 000 dollars par mois sous son avocat ou son ingénieur parce que c'est généralement moun sa qui utilise ce genre de campagne ça sous Google. Moun qui dans e-commerce par contre comment peut utiliser campagne ça. OK? Donc avocat États-Unis, Canada, yo paye premium pour capable une premium real estate ça directement sous Google pour jeune moun qui fait campagne ça pour comment pour yo faire li pour créer call actions pour capable créer phone number pour capable jeune lead à partir de moun qui relé sous téléphone. OK. Donc et ça lui-même est vraiment important que on apprenne maîtriser les mots, pas pas apprendre maîtriser seulement pour e-commerce for God's sake. OK? On pas apprendre seulement utiliser parce que vous voulez faire dropshipping comme si c'est ça seulement qui fonctionne pour dropshipping. On capable prendre set ça, on capable prendre skill ça. On qu'on y a vendre service sur bon l'autre monde qui est éventuellement capable besoin lui. On comprend? On capable faire ça, OK? Au fur et à mesure on bâtit non seulement une entreprise qui là vous voulez bâtir une entreprise qui chita sur e-commerce, mais en même temps tout, on gagne un set of skills, on sait de aptitudes nouveaux quoi apprendre, bon on boîte à outils, on toolkit j'aimerais là qu'on apprend à l'utiliser pour capable bâtir monde, pour capable vendre service là. Éventuellement, bah, l'autre monde. OK? Moi, juste prendre cet exemple, ça. M'a besoin de parler de landing page optimization. M'a besoin de parler de SEO. M'a besoin de parler de organic traffic. OK? Parce que, dis-nous encore, back in 2009, en 2009, c'était seul ça qu'on utilisait comme méthode pour générer, méthode pour générer trafic sur website. Ouais. OK? Et l'autre barrière encore, que je trouve qui est antigen, mon nom et que moun yo mal comprennent dans le domaine dropshipping là ou bien dans le domaine e-commerce on va pas parler de dropshipping j'ai l'impression on commence à fatiguer avec terme là et l'autre bagage que j'ai l'impression moun mal comprennent c'est marketing en plus moun prend marketing comme si m'dazou yon outil qui juste est like et oublie bon m'dis nous juste ça m'a dit non marketing is an investment marketing son investissement que lié. Qu'on y a, faut qu'on ait nan ki sa investi. Sou pa konn nan ki sa investi, ou juste gon website, ou pa make sure qu'on comprenne audience ou pa comprenne produit ou affaire, ou pa comprenne pou ki es moun niye, pou ki sa moun yo éventuellement pral besoin. Comment capable de changer style de vie ou bien résultat, quel sa résultat que produit pral bay client. Et pou capable présenter li yon façon, OK? Allez. Mais ça pour nous comprendre. Si m'vle vann un bourik, on prend exemple ça qui est un petit genre banal. Si je veux vendre un bourrique, il faut que tout le monde connaisse que je veux un bourrique pour vendre. Donc, puis mon façon pour me vendre un bourrique, il faut me dire bourrique à vendre. Alors, on côté m'écrit bourrique à vendre ou bien maison à vendre. OK, n'importe qui qui veut vendre un bagaille, faut que monde connaisse que pour le vendre. OK, ça c'est pour Dieu là. Mais faut me connaître qui est ce monde qui potentiellement pas intéressé pour l'acheter. Ça c'est connaître qui est ce qui customer là, c'est ça le know your customer. OK, il dit KNY, OK? KNC, OK, know your customer. Know your customer, je toujours dit ça en anglais. Aller chercher comprendre qui est ce customer là. Lorsqu'on comprend qui est ce customer là, qu'on a faut qu'on fasse pour faire le connait pour qu'on bail pour vendre. Et là faut apprendre faire ça le pour design une belle offre. Offre là c'est pas prix ou mettre sur produit hein. Offre là c'est en façon que me capable faire, c'est ça me fait pour me capable capter attention. D'accord? En nous pour exemple banal, soit l'on restaurant, en nous ou l'on nightclub, et pour on n'est qui garçon yo là, et pour on belle femme,
et puis n'a pas excusé mon langage femme là, OK, mon ou une belle dame et puis et ou ta et puis dame natio et pour juste paraître ou dit et moi et chérie moi veux marier avant ou très ou était quoi que bah au compte comment film ça fini, OK, si moi j'ai tête les pas droite la courir pour la police pour qu'a prendre belle calotte etc., OK. Mais quand il y a nous dit que ou font l'autre approche ou aborder ou inviter le bon verre ou font y parler faire connaissance li, OK, ou inviter le restaurant on pas connait ou aller dans musée on pas connait qui niveau jeune gens go gain mais chaque monde niveau jeune gens par ou on va faire approche ou donc ça c'est off ou donc faut qu'on comment pour faire off là et sous pas comprendre sous pas c'est son fico c'est arrivé que c'est une femme qu'on pas fin trois qu'on est bien. Ça on fait, ou elle cherche qu'on zan mil, ou elle pose des questions sous zan mil, ou elle m'a des zan mil, qui est lié, ou bien, ou cherche un monde qui compte zan mil, ou cherche une façon, ou capable de vivre, une façon pour qu'on plus de lits possible, une façon pour qu'elle présente, puis bon, off la balle. D'accord? Donc, c'est stratégie ou là, ça. Ok? Ça, c'est stratégie ou là. Donc, sous même ou son bon produit, ou son jeune garçon, son bon produit, faut qu'on va présenter le produit, faut vendre le produit, hein? Donc, pour vendre le produit, il faut venir avec un bon off. Ok? Et pour faire mon compte ou gain off ça ou fait off là ou parler donc ça c'est façon qu'on communiquer hein. Donc en sorte que ou porter message ou utiliser message ou porter pour attirer attention et depuis ou gagner attention dame ça donc il est très probable que si c'est objectif ou vraiment vous marier avec ou marier avec mais ça il prend temps son processus. OK, c'est processus là, d'accord? Et c'est là en pile monde qui a tendance à comprendre mal. Moi prend exemple banal sans ensemble avec. Moi prend exemple qui est très banal. Exemple moi prend. Mais côté me ça côté me veut ensemble avec, c'est ido comprendre que marketing c'est pas un bagage comme dazou qui c'est comme dazou ou juste peser un bouton et puis l'état supposé as a matter of fact fonctionner. OK? C'est un investissement. Investissement toujours gain risque. Investissement toujours gain risque. Même gens business sont risque. Pour ça parce que son investissement fait. OK, investissement toujours gain risque. Donc sous même ou pas calculer. OK, si même ou pas calculer risque qu'on prend ou pas sûr qu'on veut prendre risque, pas essayer pas faire dropshipping. Pas essayer pour anyway, pas faire aucun business online qu'on pas maîtriser qu'on pas comprendre qui risque qu'on prend. OK, vraiment recommande ça. Pas coûter personne monde qui a dit qu'il prend un risque parce que c'est facile. Ça va exister en quel côté. Même les gens qui vendent cocaïne, c'est pas facile pour le vendre. Les risques la ville chaque jour. OK? Donc, c'est pas essayer à chercher qui ça qui, comme d'adjo, j'ai l'impression que mon a cherché shortcut. OK? Il a cherché qui côté me gabam qui bon si un passe au moins un passe me passer puis que bail là arriver plus rapide. OK, on bail que on au même temps tout n'a et li qui vraiment intéressant c'est que moi plus fort monde qui entre dans business dropshipping à cause de tout bail qui dit et yo très émotionnel yo pas they can't keep their emotion in check yo pas kakembe émotion yo. OK. En sorte que yo pas connait ça a fait, yo pas capable conceptualiser que OK, marketing son investissement lié, c'est risque, début dit investissement, c'est risque lié, mais faut qu'on comment on prend risque là. En sorte que l'on prend risque pour faire quel que soit investissement on considère, en dans ouvrir l'investir 100,000 dollars en côté. On va prendre décision ça à la légère. Donc on pas comprendre que même vous voulez rentrer faire business, quel que soit business vous faire online, vous voulez le dropshipping ou whatever, OK, ou prend décision ça à la légère non plus. Ou pas qu'apprendre, quel que soit quoi vous allez mettre, ou pas qu'apprendre des choses à la légère. D'accord? Et étant donné qu'un pile monde pas imaginer, ou pas calculer risque là, yo prend des décisions qui à court terme, yo prend des décisions sans réfléchir, yo pas connait, yo pas imaginer, OK, qui quantité effort ça va demander, qui quantité est-ce que me là pour long terme, est-ce que me là pour court terme, est-ce que c'est juste venir faire deux goudins? Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. D'accord? Le monde li valoriser, il a toujours metté en l'air moun ki pote plus valeur sur marketplace là. OK, donc ou vle gon business qui a vraiment a fait succès, become more valuable, j'ai dit en anglais, pote plus valeur que n'importe qui moun dans marketplace là. Et là moi dit valeur faut regarder dans tout aspect, hein, comment on servir client, est-ce qu'on comprend ça la pote, hein, ça problème que le gain, est-ce qu'on comprend comment produire encore pote baler en cabede li. OK. Est-ce que ça nécessairement obligé dropshipping dans cas ça? Est-ce que c'est nécessairement le produit soit à l'express? Il n'est pas obligé. Parce que au
final, ça on fait ou juste besoin d'entrer dans le monde e-commerce là. Pour dire faire dans n'importe bar qu'on joigne par exemple, on dame quand on y a en date au Chili ou je n'en ai qu'à fond pour dire ouais pour dire de qualité par exemple, ou dire voilà, est-ce qu'on vend online? Non, pas vend online. OK, on nous fait un contrat, m'a fait pour dire m'a mettre produit ça online parce que me passer me gagner une audience pour m'a pour le trafic et puis pour dire chaque comme vendre m'a porter comme m'a voyer commande bas ou même wap ship li. Ou toujours faire dropshipping. Ou juste pas utiliser AliExpress. Mais on comprend e-commerce comment il fonctionne. OK? Ou comprendre comment e-commerce fonctionne. Ou capable de leverage toute plateforme ça qui trafic là pour capable faire toute plateforme que les Facebook, que les Google, que les Interest, que les Pinterest, que les Instagram, whatever, j'en ai appelé les plateformes, nouvelles plateformes qui vont venir, hein, ou comprendre comment elles fonctionnent, en sorte qu'on est capable de prendre off ça qu'on gagne, hein, ou qu'on aime qu'à jouer une audience pour lui, ou qu'on est exactement comment l'audience l'a voulu pour servir, et on peut off ça bah, yo, mais on fait en sorte que le message, on arrive à un maximum de monde qui vraiment besoin de produire, hein, parce que on pas qu'à vendre glace à un Eskimo. OK? Parce que faut qu'on apprenne à mettre bon off là devant monde qui nécessairement besoin lui. Et c'est là qu'il faut apprendre à maîtriser, comprendre et ou chercher à comprendre, OK, comment je suis capable de faire ça sur Facebook, comment je suis capable de faire ça sur Google, comment je suis capable de faire ça sur Pinterest, comment je suis capable de faire ça sur Instagram, OK? Mais qu'on y a, là, me dit Facebook, Pinterest, Instagram, Google, est-ce que ça veut dire que obligé d'utiliser tout? Non, il dépend principalement de qui côté customer, là, les hangout, côté le passé temps, côté lui même, le côté où elle passe temps. Parce que côté mon nom, c'est là pour le servir. Est-ce que ça m'a dit, non? Si je me dis que j'ai besoin de vendre caille, oh oui, on a dit que je voulais vendre un produit que je disais que c'est en bas la ville, et puis même dit non, c'est Pétionville pour me vendre. Pratiquement, je vais faire. Si le produit ça va marcher quand même, décision, je ne pense que je ne vais pas blâmer personne d'autre monde, c'est même seulement pour me blâmer. Est-ce que vous comprenez? Parce que je juste mal comprendre qui côté pour me servir. C'est une barre que je m'apprends dans le livre qui veut et pour qui ça juif fait succès, je lis le titre là, et son rabbi qui fait lui. Il dit j'aime juif faire business en côté que je connais qui ne pas de monde qui vendre. Mais pas de monde qui a acheté. D'accord? Mais là, nous comprenons, il fait sens. C'est pas qui. Je pense que c'est pas qui pisse, nous juste des fois comprendre que vous pas marché. Et pourtant, c'est eux même qui. C'est marché plus bien. Moun yon qui tendance à chercher bagaille comme si m'da dit, terme inventé jargon, inventé whatever. Non. Business, c'est un simple bagaille. Ou gagne un bon produit, qu'on capable de bailler une audience qui a besoin de produit ça. Plus valeur. Que vous mettez dans le produit ça, plus l'argent qu'on fait. Plus valeur ajoutée sur le produit ou bien service ça, plus l'argent potentiellement vous capable de faire. Mais pour faire message ou arriver, vous avez besoin de comprendre ça que le marketing. Marketing, c'est simplement comment me présenter offre. This is my offer. Mais ça le café pour vous, mais ça me veut faire après. Aussi simple que ça. Mais ça me gagne, mais ça le café pour vous, mais ça me veut faire après. Si vous voulez le faire après, that's your call to action. You release your call to action. Ou juste dit mon mais ça me le fait après et en fonction de comportement mon nan gagne par rapport avec business ou on a dit que lui vini ou vendre c'est sur website ou vendre ou utiliser Facebook ou utiliser Google ou utiliser Instagram et ben plateforme ça au bord un paquet éléments un paquet d'outils qu'on va utiliser pour capable faire message ça retourner pour capable à bombarder oreilles mon nan à même message ça OK que ou voulez ou carréler ça retargeting ou carrément ça remarketing quelque chose j'en voulais reler mais leur comprendre conceptualisation n'importe plateforme que me laguer dans mon ou juste besoin connaître comment plateforme fonctionner et puis that's it aussi simple que ça c'est un bagage mais compliqué rien c'est pas qu'à simplifier un bagage en trois points pour me dire une phrase on préfère pas faire parce que je ne vais pas chercher à maîtriser le jargon, je ne vais pas chercher à maîtriser un série de bagailles, comme si technique. What? Come on. Il y a des gens qui ont fait succès dans le dropshipping qui maîtrisent à peine 20% dans Facebook. Mais nous, quand ça, vous comprenez? Vous comprenez ça que le marketing. Facebook, c'est juste un traffic channel. C'est juste un canal pour faire trafic. Vous comprenez comment vous présenter une belle offre. Vous comprenez que vous faut que vous quality product. Vous comprenez comment vous pouvez ajouter value. Comment vous pouvez porter valeur dans le marketplace. Là. Mais pourtant, vous n'êtes pas fort dans Facebook. Il y a des gens qui connaissent qui fait Kevin Nick Peroni. Nick Peroni a fait millions avec un website. Je ne vais pas maîtriser même 20% dans Google. Même 20% dans Google, il va maîtriser. OK. Mais. Les excellents, les comprennent ça que les faire en off. Les excellents, ils comprennent comment pour trigger psychologie moon pour capter attention. Les comprennent problème client et là et à partir de là, les créer une offre qui capable vraiment répondre à ça client lui-même la chercher.
OK, parce que moun travay du pou l'ajan, mes amis. Si sou seulement comprendre ça, ça veut dire que ou gen paquet de travail pour faire. Comprenez? Plus ouvle de clients là, plus faut qu'ou bay. Plus ouvle de clients là, plus faut qu'ou bay. Jésus dit ça très bien. Premier monde qui vle a, premier monde qui vle pour yo servir, là quel c'est premier serviteur. Bay ou à recevoir. Et c'est principe biblique. OK. On a sinon appliqué dans ça là, parce qu'il fait sens. Donc plus ou bay, c'est plus en même temps audience on la prêt pour le bon en retour. OK, mais ou fait parce que ou genuinely ou de façon authentique ou voulez aider moun, ou voulez aider customer là. Pas juste venir après cobliant après ça courir avec après après ça, les pas ca joindre pour faire customer support, les pas ca joindre s'il gon problème, s'il gon problème technique à produit, les pas ca joindre pour aider, les pas ca joindre s'il gon question. Doesn't make sense. Pito te rale zam son moun et vous t'al braquer la banque. Bah la différence là honnêtement. OK, donc et je voulais prendre point ça pour me capable toucher et point ça ensemble avec nous. OK, parce que et à partir de tout parler moi faire avec tout le monde qui relève moi pendant week-end là, et je pense que c'était vraiment important pour me faire pour me toucher point ça, parce que c'est dommage et gien pile dans nous qui t'aime gien volonté pour faire succès, mais les m'attend des histoires, m'attend des expériences, c'est décevant, c'est vraiment décevant. OK, donc m'a regarder cette que question là à partir de là, je pense que me finir avec toute parler en pile moi. Est-ce que nous gien question là et pour nous capable essayer et mettre nous plus clair. OK, et pour nous capable mettre nous plus clair sur question nous yo. OK, ah, bah, m'gade pour moi. OK. Allez-y, si vous faites business pour l'argent, you will fail. Définitif. OK, pas faire business pour l'argent. OK, mon travail est toi pour l'argent, yo. D'accord? Il faut montrer qu'on respecte ça. OK, ça, c'est pour le bail, là. Et deuxième bail, là, et client, il va acheter produit, il va acheter résultat. Donc, ou sûr que, sous un bon produit, qu'on a besoin de jouer une audience, là. C'est pas produit. D'abord, c'est pas produit audience, c'est audience produit. OK? L'aime d'abord parler de F, Barayze, Akpoul, là. C'est qu'on audience soit produit, d'abord. OK? En fait, ou qu'on doit juste commencer avec ça. OK? L'on doit soit Amazon, ou juste dire, OK, bon, gars, on audience qui est intéressé. Mon bail, mais commencez avec un bail qui c'est d'intérêt pour. Ouais, mais football. Alors, soit Amazon, tapez soccer player, footballer, basketball player. Un paquet de bagaille abzo, un paquet d'informations qu'on peut leverage pour comprendre l'audience souvent, et puis de là, on commence à faire recherche, on peut aller en profondeur, ouais, et puis boum, on joue nos produits. Boum, on dit, OK, qu'on aime grave servir mon yo, qu'on a quand même le craft offer, qu'on aime le présenter offer maintenant, ou décider qu'on va le présenter offer là. C'est-à-dire, on va le présenter offer là, demander website ou demander supposer qu'on structure, évaluer compétition là, ouais, qui ça big player qui dans game, qui dans industrie ou là, qui dans niche ou qui dans compétiteur yo, big player qui ça offer, pas essayer réinventer la roue, OK? Juste improve. Sous ça que ou même ouais que ou si ouais gon espace ba ou si gon loophole si gon petit côté ouais gien nèg yo font ti négligence improve sou li bâti sou li ou même peut-être nous la ouais dans audience ou dans compétiteur yo nèg yo bayon pour customer support moun plein pour customer support. OK, ça c'est bral yo value proposition. OK, ou di mbral di m'ap di dans tout message moi m'bral talonner moun yo, we have 24/7 customer support, nous bay ça, mais you have to prove it. Faut qu'à démontrer, c'est pas juste deal. Parce que l'ordre du buy 24/7 customer support. Est-ce qu'on a un help desk? Est-ce qu'on a frequently asked questions? Est-ce qu'on a un côté qu'on a un tutoriel? Si vous avez besoin de tutoriel pour le servir ensemble avec lui. Donc, faut qu'on a démontrer ça, c'est pas juste deal pour deal. OK? Faut qu'on a un well, il dit, OK, yeah, next I vraiment, OK, moi, ça l'est clair devant, OK, que next I vraiment, you take care of the customer. OK? Et une fois qu'on est off là, qu'on y a pour faire maximum monde qu'on est, et les gens utilisent marketing. Marketing, c'est juste une façon de faire plus monde qu'on est, mais ça me gagne pour m'offrir. Et puis les gens décident, OK, on va leverage Facebook, OK, ou définir pour, OK, est-ce que Facebook fait plus sens pour produire ça, ou bien est-ce que c'est Google qui fait plus sens pour produire ça? Ça, c'est l'autre erreur que moi, mon yo commet encore. OK, je comprends que Facebook ou bien quelque chose à plateforme là, it's a one size fits all, je vous dis en anglais. Il n'est pas comme ça, mes amis. C'est pas comme si tout bagaille c'est Facebook ou bien tout bagaille c'est Google ou bien tout bagaille c'est Instagram ou tout bagaille c'est influencer marketing. N'importe
Gourg vina avec poche ba kap mache, hein? Et puis tout le monde courir sur lui, tout le monde voulait vendre, il dit tout TikTok marketing, et puis tout le monde dans TikTok marketing. Mais ça, est-ce que ça dure sur l'audience, est-ce que c'est dans le passé temps? Est-ce que ça veut dire la marche pour vous? Il n'est pas nécessairement voulu dire ça. Ok, il faut comprendre d'abord pour qui ça me suppose aller sur TikTok. Ok, et dépendamment à produit ou à vendre, dépendamment que côté audience ou un hangout, et faut qu'on ait exactement, ok, where Facebook ou bien Google en termes de primary ou secondary channel. Ok, qui est-ce qui a le canal principal moins, qui a le canal secondaire moins? Et là, ça vraiment bâti un système pour générer trafic all in one, 360. Quand on vraiment montre les clients là que me comprennent, exactement, et on bâti un brand, ok, qui gagne valeur. Qui a fait une différence dans le marketplace côté courrier. OK? Et il y a merci Chavane pour le support. Wow, so the key bon façon pour faire dans e-commerce pour réussir. Et no, je pense que la bon réponse c'est know your customer. Ça c'est le premier bail. C'est know your customer. OK? Comprendre que c'est mon web service, c'est votre bon l'argent. D'accord? Donc, ou supposer make sure qu'on comprenne le customer là. The more you know your customer, the better off you are. Plus vous connaissez le customer là, plus bon résultat vous avez. Puis n'importe qui l'autre monde. Et c'est ça, moi, un pile marketeur comprendre, qui fait vous faire gros succès malgré vous pas nécessairement expert dans marketing sur Facebook ou bien dans marketing sur Google. Vous pas nécessairement des experts là-dedans. OK? Mais vous comprenez ça que les. Vous comprenez ça que les. Comprenez le customer, vous avez. Vous comprenez en général ça que les marketing. OK? Vous comprenez ça. Et je pense que ce sont skills que tout le monde est supposé apprendre. Pas seulement parce que le monde travaille dans le domaine marketing ou bien parce que vous voulez faire business online. Parce que la vie, c'est son fait. Pratiquement tout son fait, c'est vendre votre tête. OK? Nous sommes supposé apprendre marketing. OK. Facts. OK. On regarde pour moi. Nadej, qui la émission ça fait. Ah, nous essayons de faire chaque lundi et puis jeudi tout. Et, mais c'est si nous, parce que j'ai un client qui me fait coaching privé avec eux lundi. Donc, si je finis bonheur ensemble avec eux, donc moi, je fais live là le lundi. Manus Millien dit, moi, tu comprends, il était facile, vrai, oui, parce que il était vendu moins mal. C'est dommage, cependant. OK? Pas grand rien qui vaut la peine, qui est facile. Aussi simple que ça. OK, Paris pas de bâti ou bien Rome pas de bâti en un jour. Donc comment ça, comment vous voulez pour ça tout les facile, OK? D'accord? C'est un bail bâti sur le long terme, son bail bâti pour vraiment toucher audience en particulier. Donc faire les en façon vraiment que audience soit li prêt pour le reward ou pour résultat pour effort qu'on mette. Parce que sous faire effort audience la pour reward ou pour effort. D'accord? J'ai regardé les mastermind à bain dans la vidéo. Yeah. Et de toute façon, et pour moi qui est dans le coup Facebook, le premier mastermind, là, c'est samedi soir et à 8h, le Bolivie. Et je pense que c'est même l'heure pour Miami, pour moi qui est aux États-Unis. Et sauf pour moi qui est en Europe, yo. Si vous avez moi qui est en France, la partie est très tard pour vous. Mais il y a une version recording qui est en dans membership area, c'est-à-dire en dans courant. Pour moun ki gen aksè a courant la an dan courant pour nous même directement pour moun ki nan kou Facebook Ads la, Ads Academy. Donc premier mastermind nan CAP et samedi soir là, OK, pour nous même donc m'te voye email ba tout moun et moi redi ça là encore dans live là en sorte que pour tout moun capable au courant pour moun ki an dan formation parce que nous va parler de qui ça qui nouveau dans marketing et en même temps tout font petit coup de pied sous 4e trimestre là comment pour nous préparer nous qui ça n'a fait pour 4e trimestre là idée c'est joindre feedback nous pour connait comment on a préparé nous pour moun ki gen business déjà pour moun ka frappé comment on a préparé nous et puis prendre question à moun qui gen doute qui gen par rapport avec courant OK moun qui gen doute qui bloque en côté pour nous capable prendre question OK yes merci brother comme on belle question question pas me bourre si vous gagnez un store ou pral yon sel niche ou prend yon sel niche est-ce que vous ka vendre tout ça vous voulez dans niche là tant que vous gagnez un produit sport dans niche ou t'avez une rivé joindre un produit chien ou t'avez testé ak même niche là et ou ka fouiller produit chien ou vendre ah non m'pa faire ça c'est m'dé ou m'pa faire ça ou ka toujours tester but même m'pa faire ça. D'accord, c'est un bon style, c'est un bon store qui est un brand new store qui est à marché, mais pour qu'ils ont testé produit à gauche à droite, d'accord. Donc idée brand new store là, au contraire, c'est pour qu'ils aient plus chance pour tester plus produits dans niche là en même temps, ok. Et surtout ça plus facile avec Google, ok. Et si vous appliquez et que m'bat connaît, parce que technique 2-3-3 que Yik pour monde qui a suivi Yik yo
et que tu as montré nous sous live là et dernièrement que nous t'ai invité lui technique de 3-3 ça tout permettre qu'on capable tester au maximum produit en même temps. OK, il pas nécessairement on tester deux produits, on capable tester ensemble avec les trois produits, on capable dire on va faire formule en une formule pas, on capable faire 3-3-3, on va faire 4-3-3, on capable faire 5-3-3. OK, c'est simplement on comprendre formule là comment elle fonctionner qu'on a décidé OK, on va utiliser dans différentes façons. C'est ça qui est important pour moi, que nous comprenne concept yo, que nous comprenne et que une fois qu'on comprend concept, on capable aller appliquer dans n'importe quelle autre bagaille. OK, mais sous ça dire là, m'pas recommander lui. OK, parce que sous que tu as un bon store, juste continuer chercher plus produits dans niche là, éventuellement vous était quoi je ne vais pas marcher pour pas d'autre dans ça. OK. Merci Carnol, merci brother. Do you think 95% of online buyer customers might know most of your shipping store products come from AliExpress or not really? Ça va dépendre de comment frame, comment présenter website ou hein? OK, il y a monde qui va même rendre compte dépendamment que j'ai un website ou voyez, c'est toute balle, c'est comment présenter offre là, mon avis c'est comme code produit en sortie, honnêtement. OK, honnêtement, il y a pas vraiment, c'est pas ça qui est important pour eux parce que l'essentiel qu'on est acheté dans mon. OK, comment présenter offre, c'est ça qui va le faire que qu'on essaie à pull the trigger or not. OK, et peut-être ça leur apprendre craft une belle offer, leur apprendre présenter une belle offre, c'est ça qui est important. C'est un skills que qu'on suppose maîtriser, connaître comment pour présenter offre hein, en façon unique, originale et qui paraît tout professionnel avec un certain un petit sel, on met un petit branding là-dedans, OK, pour essayer push idée ça. M'a prendre exemple ensemble avec vous et je dis à un grand monde qui montre mon store qui est très intéressant, OK, et il aime regarder store là, me dit OK, qui produit ou fait sous store là, et puis modèle qui sa business là en fait. Ça c'est la première question que je te pose, qui sa business ou fait, de qui business ou gagne, ça what do you stand for. Et il dit que lui-même il veut faire ceci, il veut faire cela, mais tout ça il dit mieux c'est à rapport à lui-même, il pas quoi je me dis rien sous client là. OK, il va jamais dire rien sous client là. Il tout dit tout bas sous lui que livre gain business, que livre fait ceci, que livre fait cela, qui est légitime, qui est normal. OK. Mais pas jamais dire rien sous client là. Mais question là était vraiment simple. What do you stand for? Qui pour que ça business soit existé? Pour que ça me suppose acheter dans mon. Qui sont fait, qui sont vendant, qui sont fait en fait. Je leur poser la question ça les supposer son barre n'importe monde qui a bâti business sérieux ou tu as supposé prendre temps pour répondre à la question ça avant même que tu as peut-être décidé de faire et sous tes temps que business déjà d'aller prendre retourner qu'on a reposé cette question ça. Qu'est-ce que ça m'a fait là? Ça m'a fait là pour que ça m'a fait. OK. Et là me regarder site client et puis moi oh tu conseilles le type produit etc. Me dit oh what pour ça nous pas dit que c'est toi hein, that we empower Black women working in the medical or in the medical field. Plus on va dire ça. Et puis même côté là, wow, lumière fait. L'on fait propre cet exercice ça, on pose cette question ça, lumière pour elle fait pour clairement sur qui ça, pour qui ça business existe et pour qui ça fait ça faire. Les pas prêter un simple petit dégage ou vin fait. OK, et qui me trouve qui aberrant. OK, parce que même effort metté pour faire un business pour dire pour faire dégouder hein, c'est pratiquement même effort ça sauter metté un petit cas en plus ou capable bâtir un brand qui est sérieux. C'est même effort. Mais il est juste demandé pour capable clair dans qui sort même voulait atteindre comme objectif. Pour que ça business soit existé, pour que ça m'a fait là. Et encore une fois, il n'y a pas rien pour avoir. Mais il y a tout à voir avec mon nouvel service. Il n'y a pas rien pour avoir. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui veut faire 1 million de dollars ou qui veut quitter le travail. Ça, c'est un byproduct. Mais leur fin fait ça avant. Il y a pour faire avant d'arriver là. Et ça, pour faire avant, c'est bien sûr que mon web service ou service à mon qui porte plus valeur dans le marketplace. Ou, mais quand on fait comment on va le faire. Et c'est ça, les value proposition en marketing. Leur fond business. OK? Qui ça qui fait unique? Moi, exister parce que nous croyons que peut-être ça nous fait tel bagaille. Peut-être ça n'a vend tel produit. Parce que nous croyons dans tel bagaille, peut-être ça nous fait tel produit. Non pas vendre tel produit parce qu'on veut le faire comme soudain dit ça c'est aujourd'hui souvent comme ça tout le monde a couru pour vous comprenez donc ça a lui-même vraiment important qu'on ait ça très clair. OK, c'est une question qui est très très simple mais je vous ai réponse là la font paquet clarté pour vous.
Allons regarder pour nous. Merci, brother. Yeah, et pour Baston, maintenant, c'est samedi ça. Samedi ça. Et yeah, à Baston, maintenant, nous avons tout le monde déjà. Bon, moi, je dis ça là dans la live là. Et moi, je vous email à tout le monde. Si vous ne pouvez pas recevoir, vous êtes supposé recevoir, mais nous, nous avons un programme, un email déjà que nous voyons sur la plateforme là. Et déjà, l'on peut aller dans le module courant, vous êtes supposé voir dans la dernière partie, pardon, là, dit Mastermind. Vous pouvez cliquer là-dedans, vous pouvez cliquer salle là pour cliquer pour rentrer. OK, parce que le monde qui est dehors va pas rentrer. C'est le monde qui est dans le courant seulement qui rentre. OK. Par exemple, moun ki parle de TLC, m'a pose une question. Pour qui ça me t'a supposé entrer dans TLC? c'est même bail là, oui. M'a fait publicité en pour border. On pas regrette, ça que faut dire, m'a pas regrette. Pour qui ça me t'a supposé entrer là-dedans? Mais j'espère avoir une bonne réponse. Okay. Parce que si la réponse, c'est parce que vous voulez me faire l'argent, l'argent ne va pas intéresser. Marron, c'est nous comprendre. Donc, et pile monde fait même bail là. Et vous avez parlé de exactement même ça. La prochaine fois, et qu'on pile bon commentaire, m'a fait publicité à vous encore. Mais bail monde a une raison valable pour rentrer là-dedans. OK? OK, on va continuer pour moi. Non, m'pa parler de Mercado Libre, m'pa fait rien sur Mercado Libre, I'm sorry. Et Nicolas, m'pa faire rien sur Mercado Libre, m'pa gain expérience sur lui, so m'pa ka parler ça m'pa konn bon. OK. Romeo dit sous même question ça beau, est-ce que les wap fait dropshipping ou ka pa vle ak aller ak yon niche, est-ce que ou ka fait un store ou mettez tout produit là-dedans son pa basé sur yon niche? Ou ka fait ça son general store, but m'pa recommander ou. OK, c'est pas plus belle route, c'est pas plus bon route pour aller aujourd'hui hein, là en surtout en 2020. D'accord? Bah recommande ça, essayez pour se travailler dans ou capable faire niche brand store. Parce que vous battez un brand autour d'une niche en particulier. Plus vous capable aller au sous niche, plus c'est intéressant pour vous. OK? Chavan, est-ce que vous pensez c'est une bonne idée pour aller dans une niche côté produit à vendre gain gros bandi cap offrir dans délai très court. Sou pas connait, sou pas ca compete au niveau ça pas faire. Parce que c'est competitive advantage là pour est-ce qu'on même capable vraiment offrir un service qui similaire avec customer hein? Mais là encore c'est on se petit follement de oui fait ça relé on smoke test. OK, prend produit que vous voulez faire ou bien on niche produit que vous voulez faire. OK, ou bien focus sur un produit dans niche là en particulier qu'on voit qui gagne pile potentiel et puis prend Also Alibaba commander un petit crasse unité commander une cinquantaine mettez là on barre qu'on connaît qu'on risque qu'on prend parce que il était risque encore une fois pour un risque qu'on prend qu'on calculer qui pas gêner non rien si ça t'a marché ou bien si ça va t'a marcher si ça bien sûr pas t'a marcher qui pas gêner non rien et puis ou pour commencer faire test mais laisse ça qu'on est capable utiliser value proposition ça pour dire customer que la jeune produit dans 5 jours, dans 2 jours, dans 3 jours, next day shipping, qu'on capable offrir ça. OK? Mais son simple risque qu'on prend. OK? Si vous voyez que ça vraiment vaut la peine. OK? Ça veut dire qu'on pas compete avec gros poissons. Par exemple, même dans le store que m'a fait sur Chili, m'a compete avec Mercado Libre, m'a compete avec, comment ça s'appelle encore, Americanas, m'a compete avec un série de gros monde. Mais ça va déranger parce que moi qu'on est moins gros offre qui est assez intéressant parce que moi arrivé capable bail monde qui dans cadre libre pratiquement là dans pile là de pas gain produit hein c'est dropshipping a fait tout OK yo pas capable next day shipping alors que même moi capable ba mon 5 à 7 jours de livraison avant le 15 jours qu'on a une possibilité pour ba mon 5 à 7 jours sous Brésil rapide OK donc dans ce sens ça m'assure que c'est ça qui va le proposition moi c'est lui même qui principal offre moi hein? C'est les différences et c'est une clé on est toute la cette journée dans marketing moi. OK. Est-ce que m'a prend visite dans mastermind là? Non. I'm sorry, Luxon. et manezi, là on parlait de connaît client, en plein monde pas fin comprendre lui parce que en plein monde pas penser des besoins client, yo juste mettre dans tête yo depuis yo proposer produit à y a besoin mon acheter. Non, il pas marcher comme ça. Il va marcher comme ça. C'est pas comme ça. C'est comprendre client là parce que monde pas acheter produit, c'est résultat y acheter.
OK? C'est pas comment ça client, c'est pas comment c'est produit puis à jeune client, c'est comment ça client et puis à jeune et puis à chercher produit que potentiellement que yo ka intéressé ensemble avec yo. Qui fait une raison approche ou un coup job shipping là, nous focus sur Google parce que avec Google, ou ka aller plus dans sa rue dans middle of the funnel là. OK? Côté moun yo plus intentionnellement d'où déjà ça a besoin. Qu'on y a ou juste besoin de travail sur offre. Est-ce qu'on capable craft un offer qui plus attractif que n'importe qui moun. Et offre pas nécessairement prix produit. Il doit par exemple dans value proposition là, shipping time ou offre bon shipping. Ou remarquer que quelqu'un n'a pas bon customer support ou bon customer support. Si son produit qui demande en pile learning curve là difficile pour mon apprendre comment utiliser. Est-ce que vous même vous pouvez créer tutoriel ou pouvez faire vidéo pour montrer monde comment pour utiliser et puis ou focus sur ça. Ou dit que mon yo va faire par exemple sous qu'on voit que grand pile chinois en pile dropshipper qui vend et puis produit ou manuel là, ils sont tête chargée. On a décidé m'a font changer manuel, m'a passer maintenant manuel là. OK, ou prend manuel digital là, m'a des supplier bon manuel là et puis même passer mais là-dedans. Je même sous papa l'anglais, je monde sous Fiverr, ranger anglais à pour dire mon dans ma banon manuel qui vraiment propre. OK, tout ça c'est poté plus valeur dans marketplace là, c'est value qu'on porte dans marketplace là, en sorte que ou pas gain doit pas même qu'à obligé à compter à prix avec personne monde. Ou ca permettre ou picher mais parce que on connaît que offre est différent. Robert dit mon cher c'est dans 2 ans passé on déjà mettre ça on t'a loué. Il pas trop tard brother. OK. Merci en pile pour aide franchement si m'pa prend curiosité à moi t'a perdu en pile moi j'ai une question s'il vous plaît. Est-ce que si un monde Chili l'utiliser information un monde qui est aux États-Unis pour l'activer Shopify payment là c'est un problème. Bon, il n'est pas un problème non parce que Shopify payment là on a libre sur compte monde qui est aux États-Unis parce que c'est bien compte là tu vas le mettre en quoi c'est sur le bank compte aux États-Unis. Donc assure seulement que son monde qu'on gagne confiance ou fait le confiance. OK. Mais sinon, il y a l'autre option qu'on peut utiliser. Nous recommandons nous faire compagnie aux États-Unis et puis l'offre tout document et aller sur mercury.com et puis ouvrir un bank account online. Et personnellement, moi j'ai un bank account sur Mercury, moi j'ai un client qui fait récemment là, il a approuvé un compte Mercury li. Donc nous recommandons nous faire ça. Et monsieur c'est chez lui le client. D'accord, monsieur gagne Mercury account, il y a une compagnie qui est enregistrée aux États-Unis. Donc monsieur qu'on a les prêts pour le passer pour le créer un compte Shopify li, sans que lui pas obligé de dépendre de monde. Mais si son monde qu'on fait confiance et que il y a pas aucun problème. Pas aucun problème. OK. Et Warrens, oh yeah, what a yeah, what excusez moi d'oublier si n'a live à 9h, n'a toujours qu'à ouais après. OK. M'pa konn sak TLC a non, moun k'ap mande mais moun TLC a m'di nous qui pou ekri pi bon commentaire. Moun m'pa konn sak TLC a chef. Moun TLC a m'di l'ekri pi bon bagay pour vraiment moun ouais n'a poser question, voilà, c'est ça. Monsieur dit tel bagay TLC puis n'a poser question et puis monsieur pa venir avec un élément pour ba nous un bagay qui vraiment capter attention non, c'est ça m'a parlé là. OK, apprendre craft, apprendre créer un bel off, OK, qui vraiment capter attention mon écœur après pour dire oh, ça intéressé. OK. Yeah, OK. OK, merci. Yeah, Ayanis là, OK. On regarde pour moi second produit qui bon 3 à 4 sales chaque jour non general store. Est-ce que si sales ça il suffit pour niche down à produit ça? Définitif. On a fait ça. On a scale produit ça heavily. 3 à 4 sales par jour, donc ça fait 120 sales par mois, brother. 90 à 120 sales par mois. C'est beaucoup de skill. Ou abdomi. Ou t'as supposé upskill déjà. Par contre, depuis qu'il y a eu un sales, mais déjà, sur une cinquantaine, une centaine de sales qui sont enregistrés. Par contre, c'est Facebook à utiliser, mais sur une quantité de sales qui sont enregistrés sous Pixel, it's time to scale. OK? Il est l'heure pour scale business. OK? Pardon, mais sous là encore. OK? Bah, quoi que le toit de OK? Yeah, Desaline dit bon bagay, merci. OK. Et puis Vanel, OK, yeah, enfin Vanel, bien content que réponse là satisfait. De toute façon, félicitations même, sous gétant dans phase ça là, so brother, il le pousse le business. D'accord? So, m'a fini sous point ça, à nous résumer, ça nous t'a dit tout à l'heure. OK. Donc business vous supposez wali en termes de service ou pas vendre, ben ou pas acheter produit, c'est mon ou pas vendre produit. Donc faut qu'on comprenne qui mon ou pas vendre produit. Et qu'on y a l'offre, qu'on est qui mon ou pas vendre produit ou qu'on a ou décidé qu'on y a comment pour préparer off pour montrer au produit qu'on gagne pour yo. OK. Et off ou on n'est pas nécessairement prix produit. Là me dit off, on va parler de prix produit. Off là c'est tout ça qui fait que vous-même ou différencier dans marketplace. Hein. C'est tout ça qui fait que vous-même unique. Il aurait dit ça tout value proposition. OK, proposition de valeur en français. OK.
OK, donc faut qu'on comment vous proposer valeur quoi porter dans marketplace là. Plus valeur qu'on ajoute sur produit, hein, plus ou ca charger tout ou bien plus il permet de cause différenciation, plus et en même temps tout le cas aide augmenter conversion. D'accord? Pour dans l'offre qu'on est, OK. Moi connais qu'est-ce que c'est custom là. Moi qu'on produit, moi qu'on produit de qualité parce que on produit qui sont tintin, c'est pas si nous permet permettre mon langage là. Sur bon crop product, OK. Puis bon marketing qui existe sous la tête pas permettre que le marché. OK? Parce que monde il a fini recevoir produit, il a demandé pour mettre le code bio, il a juste sorti gagner son tintin lié, tant que s'il vous plaît, mettre mon code nous. D'accord? Donc, vous assurez d'abord qu'on a un produit de qualité, OK. Si produit a manqué dans qualité, prends ton travail qualité. Soit vous faites dropshipping ou vous utilisez un supplier qui pour ship produit pour soit à l'express, OK, mandel poser question sur qualité produit. On va comme juste recommander nous, Jésus, gardez vidéo, gardez image qui côté que monde qui te commentaire sur l'expression. Gardez si image ça ressembler avec produit que monde a advertise là. Gardez ça monde dit en pile dans commentaire ça est vraiment authentique. D'accord, on va cacher nous ça, il y a vraiment authentique commentaire ça yo et yo va yo permettre que à l'express et algorithme à l'express là catégoriser qui côté seller apparaît lorsque mon a cherché un terme donné sur l'express. C'est peut-être ça, mais sur l'express ça a fait le bon produit qui marché, yo dupliquer listing là, yo fait listing dans plusieurs fois. Après c'est même nèg là, c'est même seller mais il y a différents listing pour même produit. C'est simplement parce que yo veut prendre plus market share, je veux plus visibilité. D'accord, donc au même point sans pouvoir garder et côté qui gagne review yo, garder image yo, garder ça mon yo dit et en même temps on capable et gon idée plus ou moins, même si pas ca gagne produit en bon pour tester mais la bonne idée plus ou moins est-ce que produit est plus ou moins de qualité etc. D'accord, ou bien l'autre bail que monsieur serait bien faire travailler avec brand qui directement sur AliExpress parce que brand ça yo il a une réputation tout y a chercher gérer. D'accord, et m'a parlé de marque qui déjà vend sur AliExpress que nous capable ouais lorsque on sur AliExpress dans colonne gauche on va pour côté qui dit brand ou bien marque, OK, ou capable contact ou capable ouais pour exactement vraiment comprendre marque ça au plus bien. D'accord, comme quand travailler avec yo sur base qualité produit même que offre, OK, et en même temps tous les suppliers qu'on va joindre sur États-Unis soit le son site qui est thomas.net, OK, elle est thomas.net, on mettez les boulons en bas là capable joindre site tout Thomas.net, OK, ou capable joindre supplier directement États-Unis, d'accord, ou capable aller directement pour joindre quelques suppliers aux États-Unis, OK. On l'autre bail que m'ta recommander nous, OK, leverage sort gain qui différencie de l'autre monde. Par exemple, moi j'ai un client qui devait faire dropshipping et puis n'en parle ensemble avec lui et lui dit que hey, moi j'ai un monde qui bon contact qui avec une compagnie qui fait fourniture et qui fait meubles aux États-Unis. Est-ce que vous pensez, oh, définitivement, contactez, vous demandez, est-ce que vous n'êtes pas capable de faire un reseller permit, ou juste enregistrer une compagnie, et puis il dit, non, vous êtes un bon compagnie qui est enregistré aux États-Unis déjà, OK, c'est bien, et bien, qu'on y a juste contacté, et puis contacte en fait, et puis, vous dites que vous êtes d'accord. D'accord? Donc, il n'est pas obligé qu'on a goûté pour aller chercher position à l'express ou leverage relation qu'on gagne. Ok, tout bagaille ça, c'est bagaille qui permet que ou même tout différencier. Quand on n'est pas obligé à faire entrer à goûté, tout le monde a essayé de vendre même produit. Encore une fois, idée, c'est pas comme si on a de dropshipping son solution. C'est une solution à tout bagaille. Ou est tout le monde obligé de faire dropshipping. C'est qu'on prend e-commerce, comment fonctionner et comment même tout, on va tirer profit de lui. D'accord? C'est ça, je pense, qui est plus important. Donc leverage sort qu'on sort gagner leverage relation qu'on gagne et tirer profit de monde qu'on connaît qui connaît monde OK, qui a peut-être ouvert une porte pour un côté qui permet que même gagne accès avec on sait de que peut-être en pile l'autre monde pas jamais gagne accès ensemble avec lui qui a permet que même un business qui est totalement différent de business l'autre monde mais où juste faire e-commerce même avec tout le monde, OK, ou simplement va faire dropshipping genre tout on a fait, OK, donc c'est aussi simple que ça, OK. OK, vous avez 50 sales vanel, très bien, brother. Donc ça veut dire que vous supposez push produit ça plus. D'accord, vous recommande push produit ça plus toujours et puis et produit ça qu'on gagne, push le plus toujours et puis depuis bien sûr profitable, OK. Même si tu as break even, ça veut dire qu'il vaut la peine pour continuer au casque le produit ça, même si vous break even, OK. Parce que très probablement le scale au fur et à mesure, algorithme va l'ajuster au capable jeune une conversion à plus bon marché au fur et à mesure, OK, des pour qu'on soit fait bien sûr, OK, au capable jeune une conversion à plus bon marché et très probablement les pas profitable pour, OK, pas juste garder parce que il pas profitable qu'on y a m'a camping, non garder bail plus sur le long terme, bail algorithme dans temps pour le travail pour les dos, d'accord, pas prendre décision trop à la va vite, OK. Comme on dit, est-ce que si vous avez seulement PayPal comme moyen de paiement, ça a quand problème pour store?
Oui et non, ça dépend. Je ne suis pas fanatique de PayPal là du tout. Okay? Je préfère camper loin pour différentes raisons. Je bloque un compte pour n'importe qui bagaille. Ouais, ça m'a dit là. Donc, il faut faire un pile prudence ensemble avec lui. Lui aider dans la conversion parce qu'un pile monde fait PayPal la confiance. Mais l'idée était que si store, il y a tout élément nécessaire pour le monde capable de bouer, que capable acheter dans le monde. Même si tu as PayPal, il n'a pas marché. Il y a un monde qui a un store qui a un PayPal, vous n'avez pas de business qui va marcher. OK, et c'est ça qui est important, c'est make sure que vous avez un website qui est structuré d'une façon qui va permettre d'augmenter conversion, OK, pour que trigger tout élément ou présenter offre d'une façon tout que customer ouais ou comprendre problème ni et puis j'en présenter offre là ni prêt pour l'acheter dans mon. OK. Son plaisir brother. Et est-ce que profit ou yo normal? Et m'pas fin comprendre question non, Warren, est-ce qu'on parle de profit dans business moi yo ou bien m'pas fin comprendre question gros. Bah, fin, ouais, et bon, je pense que je vais répondre à une question là, oui, Louis, France, Augustave. C'est une bonne question répondre parce que je vais répondre. Si ma classe, oui et non, ça va dépendre. Mon coup qu'on y a, plutôt racheter cours, hein, honnêtement. Ok? Parce que là, on va bénéficier plus que pour une classe directement. Ok. Ah, moi, le partenaire qui gagne 56 ans, est-ce que le profitable? Bon, nous ne pas connaître. OK? Même si monsieur pas profitable, ça vaut la peine de le continuer. Hein? D'accord? Ça vaut la peine de le garder. C'est juste continuer à garder pour le côté l'argent perdu et puis faire ajustement. OK? Et puis, comment on va faire pour le continuer à augmenter la conversion? C'est ça, ou seulement. C'est, ou même si ce n'est pas profitable pour qu'on y a, garder pour qu'il y ait l'autre ajustement qu'on va faire au niveau de campagne. Ou, hein? OK? Tester plus audience qui marche pour déjà quand on gagne sales, créer lookalike audience super chez qu'on gagne. Ou bien, et puis commencer à tester plus. Commencer à tester plus. Et puis commencer à couper d'un côté qu'il faut perdre de l'argent. OK? Et formation que nous gagnons, les sous, vous pouvez venir directement sur le site ça, ok, vous pouvez aller directement sur le site là, et vous pouvez aller, nous gagnons deux formations, nous avons une formation sur Facebook Marketing, et puis nous avons une formation sur e-commerce slash dropshipping, et puis donc, et vous pouvez aller regarder sur lui pour là-dedans, qui est vraiment qui intéresse, et ça qui intéresse là, ça vous plaisir pour nous gagner avec une équipe là, notre team là, ok? Pour ça, je pense que mon acheteur, mon dropshipper, parce que la Chine est à AliExpress. Et un peu de monde ne fait pas AliExpress confiance, peut-être parce qu'ils considèrent que c'est la Chine. Pas un monde qui connaît, monde n'a pas nécessairement connaît la Chine dans mon dropshipper, parce que dans le site où on va dire son dropshipper. Je garantis que si tu dis son dropshipper, il va l'acheter dans mon. Si tu as dit que le produit c'est la Chine, il va l'acheter dans mon. OK? Donc, c'est une date pour un for the sake of transparency. C'est une date seulement pour transparence. On va juste dire, OK, produit a sorti la Chine, etc. Donc, mais, customer living de plus en plus intelligent. Et tout le monde gagne YouTube. Même vidéo, regardez sur e-commerce, c'est ouais, YouTube. OK. Et puis, là, aussi, on va package. On connaît package sorti la Chine, de toute façon. Donc, customer, on va sort. OK. Donc, je pense que AliExpress, par exemple, en Russie, AliExpress, c'est un coup Amazon lié dans la Russie. D'accord? Moun pratiquement acheté sur AliExpress chaque jour, tant que le moun acheté sur Amazon aux États-Unis. Donc, je pense que son gombay géopolitique là-dedans, tout, qui a affecté lui. Gon géopolitique là-dedans. Mais l'opre, laisse Singles Day le 11 novembre en Chine. OK? Et AliExpress, je vois en pile encore commande lié au sorti des États-Unis direct. OK? 11 novembre chaque année. Qui c'est comme si Black Friday États-Unis et Black Friday pardon en Chine, il y a le Singles Day. OK, c'est jour AliExpress vend plus bien et l'autre prend votre AliExpress fait dans jour ça seulement, il vend plus que Amazon et toute vente qui fait dans Black Friday aux États-Unis, mettez ensemble. On seul une plateforme là. OK. Donc pour ça AliExpress pas mon pas acheter directement sur AliExpress, mais juste rester quoi son question stratégique. Et que AliExpress décide de faire. Est-ce que vous avez des âmes dans le monde? Est-ce que vous avez une capacité pour décider de prendre plus de market share aux États-Unis avec stratégie? Vous avez une question géopolitique là-dedans tout pour considérer. Regardez tout le problème qui y a avec TikTok, avec Jean de Barre, ça y a tout affecté. OK? Donc, si vous avez des problèmes, vous avez une garantie que vous avez des moyens. Vous avez des moyens pour compter nous-mêmes avec AliExpress. Malgré ça, même si vous voulez ads sur Google, vous voyez que AliExpress, c'est un active advertiser sur Google.
OK, soit ou les ads sur Google, ou après que AliExpress sont active advertiser sur Google, même gens sont active advertiser sur Facebook. Donc, customer connaît que AliExpress existe. OK. Yep. Pour qui sont pensés clients choisir acheter? Oh, moi, c'est moi qui ai une question ça déjà. Il y a des gens qui font connaître Shopify bloqué à moi si je me servis à information qui pas pour moi pendant que je suis là. Je n'ai pas d'expérience ça. Par exemple, l'adresse qui est sur le site de Shopify, ce n'est pas l'adresse. Ce n'est pas l'adresse réelle. Donc, je ne connais pas. L'expérience, je ne sais pas. L'adresse que je utilise sur Shopify, ce n'est pas l'adresse réelle. OK? Et pourquoi on peut aller sur le site ça à Pierre Patrick? Vous pouvez aller à $147. OK? Donc, vous pouvez aller là pour avoir plus d'informations. Ouais, c'est vraiment que c'est suitable for you. OK? Vous pouvez aller là pour regarder ça. Sous le lien ça qui là. Yep. Est-ce que c'est possible pour gagner ad cap marché durant 2 semaines sans que ou pas fait sale? C'est possible. Si je suis campé déjà, si je suis arrivé dans la phase côté que j'ai 2 semaines pour les ads, je vais dépenser le profit margin ou 3 fois pour du envo, je vais cancel. Ça veut dire que, yeah, ça sont dead end pour moi. Ça veut dire camper. Vanel Charles, je vais vous faire une petite conversation avec moi. Pas de problème, chef, il faut qu'à contacter moi personnellement. OK? Yeah. OK. Romeo Leo, est-ce qu'on peut utiliser un compte en banque un monde qui est aux États-Unis pour recevoir l'argent sans pas passer PayPal? Est-ce que Shopify pas poser une question lors sur un compte en banque qui pas pour moi m'a utilisé? De pour utiliser un compte en banque qui pas pour moi parce que oui et ça me recommande non c'est chercher une façon pour être indépendant. Par contre, pour que ça nous oblige de dépendre au monde honnêtement. Cherche une façon pour indépendant, il n'est pas compliqué, non? Et ça problème, c'est pas compliqué. Le problème que je gagne, c'est que nous impatients. OK, donc il t'a préféré grosser l'argent au fond de l'économie ou monter une compagnie aux États-Unis ou assurer tout document ou voir compte sur Mercury après ça ou voir compte Stripe. Sans qu'on pas obligé de passer par personne, sans qu'on pas obligé de dépendre de personne monde. OK? Mais ça me fait faire c'est me dérou. Est-ce qu'on mette faux adresse dans l'information? Adresse, moi, mettez-moi encore sur le store, moi, il n'y a pas d'adresse, moi. OK? Il n'y a pas d'adresse, moi. Donc, il n'y a pas d'adresse. Son adresse réelle, mais il n'y a pas d'adresse, moi. OK? Donc, je ne vais pas dire, allez, inventer une adresse, mais. Qui dit, fait ce qu'il y a de compagnie à dropshipping, compagnie TLC, Mona. Je ne sais pas si on a rien de TLC avec Mona, je ne sais pas si on a rien sur eux. OK? En sorte que je ne vais pas comparer non plus. Nous avons parlé d'application qui traduit plus bien que Google Translate. Application il est DeepL. Je vais m'écrire pour là en bas. Il est DeepL. C'est deepl.com. Pourquoi c'est qu'on s'agit? On va regarder pour. Je vais toujours utiliser les. Surtout la langue traduite sous Brésil. Parce que l'anglais va langue PAM. Et yeah. Pourquoi c'est ça? Oui? DeepL. Yeah. On va mettre le bout là en bas. Il y a Add Banner. Et puis show. Et voilà. Il y a les conseils. DeepL. C'est Pioneer Lab utile, non? Il y a encore utilisé Pioneer tout. Et. Yeah, même ça, moi, vraiment, de nous, c'est enregistrer un business. Et puis, on a fait. On a de loin better off. Ou indépendant, on va dépendre de monde. Et puis, on va bâtir business. OK? Surtout, on ne va pas son business sur le long terme. On ne va pas son business sérieux. OK? Bah qu'on est l'argent c'est plus bon bagage qui révèle les caractères monde. OK, l'argent c'est plus mauvais bagage qui révèle les vrais caractères monde. Donc ou pas avec un vrai monde pour l'argent plutôt qu'une relation on va quitter l'argent ou elle détruit une relation. OK, en sorte que éviter son bavler. OK, donc préférez que vous même au fond effort pour un petit temps ou save ou font économie après ça
ou aller directement ou son compagnie aux États-Unis. Il y a un paquet de vidéos sur YouTube qui montrent comment vous faire ça. Nous fait plusieurs lives que nous parler de ça déjà. Se répéter là, c'est vraiment un pléonasme, OK? Donc on paquet d'informations doit montrer devant pour nous ta business sur compagnie nous qui est enregistré aux États-Unis et pour qu'a bien compte en banque, OK, sans que vous pas obligé passer par personne monde. Est-ce que ça coûte comme? Bien sûr que ça coûte comme. C'est business soit bâti. OK, bien sûr que ça coûte comme. Le monde n'a pas pas un service libre bail puis gratuit mes amis. D'accord? Donc ça bien sûr que ça va coûter l'argent. Donc on paye pour service là et puis automatiquement on gagne accès au cabati business mais le soir indépendant on va dépendre de personne monde. OK? La boîte est posée tout, garantie sur ça. La boîte est posée. D'accord? Application DeepL là oui, il est gratuit. Conversion payant, on va jamais utiliser, on pas vraiment besoin. D'accord? Et moi toujours utiliser application qui est gratuit là. Et application de DeepL. OK? On dit que le DeepL, OK? Mettez là pour nous encore, pour moi qui besoin pour traduction. OK, guys. So, m'espérer que live, ça, c'était peut-être pour un série de monde, pour nous-mêmes qui étaient mal comprenés par ailleurs, ils sont eye-opener, comme c'est ouvert sur nous sous par ailleurs. Comprendre que c'est pas dropshipping qui c'est, comme ça, qui c'est one size fit all, comme c'est que tout bail, c'est ça. OK, c'est comprendre que e-commerce, c'est un livre vaste en pile. Tout ça qu'on fait online, qui permet de gérer l'argent, ou faire l'argent, transaction électronique, y aurait l'e-commerce. OK? Qu'on y a, différentes méthodes qu'on va utiliser. Dropshipping, c'est une là-dedans. Mais dropshipping en soi, pas un business, parce que c'est un simple fulfillment method. OK, que mettre pour un produit faire sortir d'un point A aller dans un point B jusqu'à ce qu'il arrive dans mes customer client final là. OK, mais cependant moi te crois que chaque monde qui là pigou entreprise qu'on gagne relé ou même OK et sur vraiment prendre temps pour gagne OK qui ça me gagne que capable bailler le monde OK de façon unique originale qui différent OK gon sur capable jeune bâtir audience de 5000 20000 monde qui prêt pour tant d'eau ou pas besoin plus que ça. Honnêtement, on pas besoin plus que ça. Et parce que là, ça vraiment, on a vraiment focus sur brand, ça qui est ou même, non? Et on utiliser ou leverage platform, ça online, là, pour bâtir, pour faire message, pour arriver au maximum de monde possible. OK? Ou très authentique, pas qu'il y ait deux monde qui quand même ensemble avec vous. OK? Ça a son autre façon au capable ouel et tout. OK, mais encore, fini à sauter dit que m'pa veut faire tout bail ça, m'veut faire commencer vendre produit physique online. OK, c'est un exemple que m'te commencer avec dropshipping parce que m'pa vle au moins porte très fermé sur même très timide. D'accord? Donc m'te toujours préférer bon bail à côté que m'ka rester derrière écran sans monde pas ouais mais puis que m'a fait ça m'a faire. Donc c'est un exemple que m'te décider de commencer faire dropshipping jamais on a fait aujourd'hui, hein, c'est dit prend un produit physique, faire le déplacer d'un point A à un point B, ça que m'même pas obligé qu'embe inventory hein, la caille moi d'accord mais e-commerce dans les pillages que ça mes amis donc kebeyon on open mind OK pour nous capables nous même leverage le maximum possible d'accord parce que même lorsque on a parlé de dropshipping jodi hein son bail qui dynamique il va jamais rester même genre et chaque jour qu'a passé customer a plus intelligent il exige plus de haut donc sous juste continuer à faire bail même genre on va faire le minimum effort nous garantir surtout on va joindre le minimum de résultats OK donc bon pour le on fait ça pour OK parce que il y a monde qui t'est dessus partner Michel était beau moi dans nos services là voilà tout bloqué OK et on va aller connait là sur pour que ça approche ou yo de dropshipping là totalement différent des compétiteurs yo ou puis frère dans approche ou yo l'autre nèg yo gagne les kembe gagne un bagarre il a caché nous m'pa connait s'il a caché mon rien m'pa connait s'il a dit mon m'pa connait honnêtement mais moi juste dit mon ça me penser me ça supposé dire OK sans que m'pa obligé utiliser aucun filtre pour ça parce que m'pa essayer passer pour ça m'pa ou bien a dit ça que m'pa connait honnêtement d'accord donc peut-être ça approche moi différent parce que il basé sur expérience moi peut-être ça c'est pour bail là et sur base expérience ça me partager ça que me connait avec nous OK. En forme, OK. So guys, bien content que vous êtes là ensemble avec nous à soir. OK, j'espère que mon petit gens fatigué et j'espère que nous t'ai tiré maximum de ça, d'accord? Et puis yeah, pas rien qui est impossible, tout baillement de travail, tout baillement de pour mettre effort là-dedans. OK, il pas facile. OK, mais les justement des pour qu'on soit fait et qui compte braler et puis pour prêt pour bail mon maximum. OK, maximum de vous-même. C'est ça qui est important. Reste là, c'est mettez bon Dieu devant dans tout soit fait, c'est même qui est encore plus important que toute bagaille et puis reste là, c'est détail. Take care guys, moi mène nous en pile, passons bonne nuit, n'a pas très probablement dans l'autre live et mastermind là pour monde qui est sur Facebook là encore une fois samedi soir, m'attend nous, make sure que nous là à l'heure.
OK, on a fait 1 heure 45 minutes là-dedans pour nous capable parler de qui ça cap marcher connait, qui ça cap changer et nouveau directif que Facebook a prend pour nous capable commencer préparer nous pour ça. Et puis formation dropshipping pour monde qui est intéressé, OK, ou bien formation e-commerce/dropshipping. OK, et les capable aller sur lien ça, on joindre toutes informations qu'on suppose qu'on est sous moi et puis formation que nous offre tout, OK. Lily chercher comprendre soit investir là-dedans avant même pour mettre quoi boudeur. D'accord? Et puis reste là encore, c'est détail. Quand bon Dieu pique devant, moi j'ai l'autre question qui va venir là, monsieur Mbra aller aider dormir dans gym. Une fatigue en pile, m'a comme ça que fait ça. Et il y a coût dropshipping dans Jean Ridley, c'est 447 $ et Graphic Muscardi, merci brother. OK, Robert Jacques, merci un peu frère, m'a inscrit sur le Facebook à est-ce que un groupe WhatsApp ou bien m'pas utiliser groupe WhatsApp, m'ai bien content venir sur point ça Robert Jacques, m'pas utiliser groupe WhatsApp avec Facebook pour une seule raison. M'ai utiliser groupe Facebook là parce que et parce que information ali sur Facebook, li ka aller en façon chronologique. OK, m'pas utiliser yo simplement parce que m'veux que met tout bail en seul côté. Donc formation en dans plateforme que m'utiliser, ou ka créer une discussion. Et l'on fait discussion, on pose une question, même ka répondre. D'accord? Peut-être nous ka font groupe Facebook et très probablement parce que avec groupe Facebook là, on ka répondre avec vidéo, on ka répondre avec question moun pose, on ka faire vidéo parce que plateforme n'a pas permettre moi ka upload en dans question là, on pose une discussion, on ka mettre image même pas ka upload vidéo, c'est ça le problème ça m'a ensemble avec lui. OK? Même nous ka venir avec groupe Facebook là, parce que n'a fait ça, OK? M'a parlé avec Tim là pour nous faire ça, d'accord? Pour nous faire groupe Facebook là et puis mais nous voulons qu'il y ait tout bail en seul côté en sorte que tout le monde qui dans groupe là, tout le monde qui dans cours capable bénéficier maximum de lui en sorte que toute question posée, l'on fait discussion même, m'pas prendre 24, m'pas prendre plus que 24 pour me répondre à la question. D'accord? On fait maximum de moi. Pourquoi? Parce que pas grand pile question non plus, mais chaque question qui vient mon gata, moi assurer que mon gata répond à question ça en sorte que 24 heures maximum mon gata répondre à question que mon dans lui-même les poser. D'accord? Donc c'est une raison que m'pas fait groupe WhatsApp là parce que information pas aller non ordre chronologique. On paquet de bagarre a dit même personnellement m'étais dans groupe moi dans bagarre crypto, moi dans bagarre et comment dire bagarre ça encore et stock market bagarre ça dans groupe Telegram, on juste décidé sortir quitter groupe parce que trop information ou pas cargo information de façon chronologique, c'est matin midi soir information. Ou abdomi groupe là posté sous lui. Donc il vraiment gaz, vraiment gaz. OK, me trouve que vraiment son perte de temps. Donc on préfère prendre tout mettre faire minimum d'effort mais by maximum de même. Donc c'est forme on croit dans ça en pile less is more. OK, moins faire mais plus que me capoter par n'importe qui monde. OK? Donc n'appkebe tout ba yo on seul côté. D'accord? N'appkebe tout côté mais éventuellement nous capable faire groupe et private Facebook group là mais après groupe privé. OK. Et est-ce qu'on a montré pour manipuler Debutify là? Honnêtement, m'pas penser que Debutify m'a dans pile manipulation. C'est un thème qui est tellement bien fait, honnêtement. M'pas cruellement de plus. Et puis nèg yo gen vraiment excellent tutoriel qui montre comment vous manipuler plateforme là. OK? Mais c'est pour nous faire ça autant que faire se peut, c'est pour nous faire ça dans une mastermind, nous ca parler de ça, nous ca montrer quelque bail, nous ca poser quelques questions par rapport avec ça, nous ca peut-être venir faire un fond tirer aller sous lui. Même penser que il y a un paquet de tutoriels et surtout nèg qui fait des Beautify eux-mêmes, ils mettent en pile ressources pour montrer comment pour utiliser lui. Donc penser que aller là parce que ressources là à disposition nous. So font ce que nous-mêmes nous capable utiliser, d'accord? OK? Mais si il y a un problème éventuellement nous ca essayer répondre à question ça. D'accord? Et yeah, so guys, c'est un plaisir de vous mettre ensemble avec nous encore une fois. Passons une bonne soirée. J'espère que point ça est clair pour nous. Profitez de l'opportunité que nous gagnons aujourd'hui. On paquet et on tape toujours gagner. D'accord? Mais l'essentiel, chaque opportunité que vous joignez, je dis que les vignes tout avec risque. Donc, calculez le risque qu'on prend et s'il fait sens pour vous. Et puis, au compte-côte, vous allez, donc, laissez vous même décider pour bailler premier pas. Mais pas juste faire parce que c'est la mode, ou bien pas juste faire parce que ça paraît chic, ou bien parce que tout le monde a parlé de lui. Non. Faire parce que vous connaissez exactement ou même qui sauve les faits ensemble avec lui. D'accord? Et qui compte-côte, vous allez ensemble avec lui. Posez cette question, ça. Pour qui ça m'a fait là? Qui est-ce que m'a servi? Et soit faire, il n'y a pas rien pour avoir. OK? C'est bien important. Il n'y a pas rien pour avoir. OK, quel que soit objectif ou tu as gagné, soit fait, il va supposer gagner pour avoir, mais il y a tout avoir à monde qu'on va le servir et c'est le plus important parce que c'est gagner l'argent. D'accord? So, take care guys, mais c'est le principe ça va aider nous comprendre business comment fonctionner et comment nous même pour tirer maximum profit des outils digitaux que nous avons aujourd'hui à disposition. OK, et si nous intéressé à quoi encore une fois,
mais lien là nous capable garder yo parce que c'est ça objectif moi ba nous boîte à outils ça qui pour aider nous leverage toute skill ça toute aptitude ça au capable utiliser dans n'importe business qu'on veut. Take care et que bon Dieu bénisse nous.